Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur VO Afrique à l'occasion de cette couverture spéciale de l'élection présidentielle ici aux États-Unis. Vous le savez, dans cette élection, il y a 5 candidats, parmi lesquels 2 femmes. Et si l'une d'elles venait à être président des États-Unis ou présidente des États-Unis, autant que moi, ce serait la première fois qu'une femme dirigerait donc ce pays. Donc, sur ce plateau, j'accueille Nathalie Barge, qui est une collègue. Nathalie, bonsoir. On va parler des femmes tout à l'heure. On va aller tout de suite à New York pour retrouver Nicolas Pineau. Nicolas Pineau, quelle est la dernière actualité du côté où vous vous trouvez? On sait que Hillary Clinton et Donald Trump, par exemple, sont tous de New York. Bonsoir John, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, je me trouve ici à New York, à Manhattan. C'est là que les deux principaux candidats vont attendre les résultats avec leurs partisans pour savoir qui des deux va pouvoir l'emporter ce soir. On va évidemment suivre ça sur VOA Afrique. Les deux ont voté ce matin depuis l'État de New York, et notamment Donald Trump, hein, qui a voté ici, non loin de là où je me trouve. Il a donné il y a quelques heures une interview sur la chaîne américaine Fox News, où il a annoncé, quand on lui a posé la question de savoir s'il allait reconnaître les résultats, il a dit vouloir attendre de voir parce qu'il veut des résultats lisses. C'est la grande inconnue finalement de cette élection. Si Donald Trump perd, va-t-il accepter les résultats? Pas sûr. Autre élément, John, on se souvient qu'en 2012, l'élection américaine, le résultat était connu à 23h17, heure précise sur la côte est américaine. On risque peut-être de veiller un peu plus tard ce soir ici du côté des États-Unis. Un rappel, hein, John, vous l'avez dit, on vote pour la présidentielle, mais on vote également pour renouveler un tiers du Sénat et pour renouveler la Chambre des représentants. 130 millions d'électeurs devraient se présenter aux urnes sur l'ensemble du territoire américain. Évidemment, les urnes vont bientôt fermer, 19h-20h sur la côte est américaine, mais on va continuer à voter jusqu'à très tard dans la soirée sur la côte ouest. Vous savez qu'il y a 3 heures de décalage horaire entre la côte est et la côte ouest, notamment en Californie, un état clé. On va suivre ça, on va continuer à suivre ça, on va informer nos téléspectateurs sur voafrique.com et avec vous toute la soirée sur VOA Afrique. Alors Nicolas, vous ne partez pas. On a beaucoup parlé de l'enthousiasme au cours de cette campagne présidentielle. Est-ce que ce jour, cela se ressent au niveau de New York? Est-ce qu'on sent que les gens vont voter, qu'ils sont enthousiastes, qu'ils attendent les résultats? Alors, beaucoup en tout cas affirment qu'ils veulent participer à la démocratie américaine, que c'est un grand moment tous les 4 ans, et de nombreux candidats ont envie de faire entendre leur voix. Un autre élément, hein, John, c'est concernant ce qu'on appelle le early vote, ce qu'on appelle ici le vote anticipé. Eh bien, ce vote anticipé a été déjà beaucoup plus élevé qu'en 2012 entre Mitt Romney et Barack Obama. Par exemple, le jeudi dernier, on avait déjà 25 millions d'électeurs américains qui avaient pu voter par anticipation. Et donc cette participation est beaucoup plus forte, c'est un indice en tout cas de la mobilisation populaire. Maintenant, cette mobilisation va-t-elle plutôt pencher du côté des démocrates ou plutôt des républicains? Encore quelques heures pour le savoir, John. Merci Nicolas, vous parlez de mobilisation, je signale que VOA Afrique s'est également mobilisé pour couvrir cette élection à New York. Nous avons Nicolas Pineau, Jacques Aristide et puis Kadiatou Touré pour ne parler que du service de VOA Afrique. Merci Nicolas et on va vous suivre tout au long de la soirée. Alors je vais revenir vers Nathalie, Nathalie Barge. On a parlé des femmes dans cette campagne, mais je voudrais savoir déjà qui sont ces femmes. Et deuxième question, qu'est-ce que les principaux candidats, notamment Donald Trump et Hillary Clinton, ont dans leur politique en matière de femmes? Alors, il y a 2 femmes, en tout cas les plus connues, hein, dans les principaux candidats, on peut dire. Hein. C'est vrai qu'on rappelle un petit peu qu'on connaît beaucoup Donald Trump, Hillary Clinton, mais il y a 3 autres candidats aussi qui sont assez connus aux États-Unis. Donc, dans ces 3 autres candidats, il y a une dénommée Jill Stein, qui est donc la candidate du Parti Vert. Il y a bien sûr Hillary Clinton. Pour commencer par Jill Stein, elle n'a pas spécialement quelque chose de ciblé pour les femmes. C'est vraiment une écologiste. Une écologiste très ancrée à gauche, etc. Ben, quant à Hillary Clinton, évidemment, on l'a entendu
très souvent faire la promotion des droits de la femme. Hein. Hillary Clinton, c'est quelqu'un qui milite pour les droits de la femme. C'est une véritable féministe, en fait. Tout à fait. Depuis toujours, hein, depuis toute sa carrière, ne serait-ce que quand elle était avocate, ensuite sénatrice, en tant que première dame, secrétaire d'État. Et oui, elle a un programme, en fait, en direction des femmes. Et elle a toujours un petit peu joué de cette image avec l'histoire de sa mère. Vous savez, on connaît bien l'histoire de sa mère parce qu'elle en a parlé, hein, Dorothy, Feu Dorothy. Tout à fait. Et elle avait d'ailleurs réalisé un clip pour la fête des mères, disant que tout ce qu'elle faisait, c'était pour Dorothy, et que quand les femmes étaient plus fortes, un pays est plus fort. Donc en fait, elle a... On va dire son plus dans ce domaine-là, c'est qu'elle en a parlé beaucoup. Elle en a beaucoup parlé. Elle a fait cette promotion à tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Il y a vraiment plein de domaines dans lesquels, au niveau des salaires, l'égalité des salaires, l'éducation, notamment pour les tout-petits. Par exemple, on sait qu'on vit dans un pays où un tout petit enfant... on paye très cher pour la garderie. Tout à fait. Et Hillary Clinton, elle a beaucoup touché les esprits par rapport à ça, en mettant l'accent, en fait, sur une vie un petit peu moins chère, quoi, pour les familles. Elle cible beaucoup sur la famille, sur la santé, sur le salaire minimum. On sait qu'il y a 2/3 à peu près des personnes qui touchent le salaire minimum, qui sont des femmes en réalité. Donc voilà, elle a beaucoup séduit les femmes, mais c'est naturel chez elle. Du côté de Donald Trump, c'est beaucoup moins visible. Même si on cherche, ne serait-ce que sur Internet, quel est le programme sur les femmes de Donald Trump, on ne trouve pas grand-chose. Donc, en fait, on pourrait dire qu'il n'a pas particulièrement un programme ciblé pour les femmes. En revanche, Donald Trump et les femmes... Ça a été une longue histoire durant cette campagne, beaucoup de scandales. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On ne sait déjà pas si les femmes, combien voteront pour lui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet aspect-là? Alors, on peut dire en effet qu'il y a beaucoup de passages dans cette campagne, mais c'était le ton de la campagne aussi. Hein. Des deux côtés, on peut dire, il y a eu beaucoup d'attaques, il y a eu beaucoup... à la limite des insultes, parfois des insultes. Et il est vrai que Donald Trump, pour son cas particulier, il est passé pour un misogyne, en fin de compte. Et à chaque fois qu'il y avait un petit problème comme ça, il appelait à la rescousse son épouse, Melania. Et bon, voilà. Mais bon, il y a eu plusieurs histoires dont on a beaucoup parlé. Il y a Tout eu à fait. Cette fameuse cassette qu'on l'entend dire, des choses pas très... gentilles envers les femmes. Voilà. Voilà, c'est du sexisme, mais il faut dire les choses comme elles sont. Donc ça ne lui a pas porté chance, parce que c'est vrai que ça a fait beaucoup de scandales. Forcément, on en a parlé. Mais ce n'est pas dit qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes qui votent pour lui. Voilà, et d'autant plus qu'il se défend de tout ça, il a les arguments, etc. Alors, vous parlez de vote et... Peut-être, si vous le permettez, je vais quand même le souligner ici, ce serait votre première fois, vous, de voter. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous appréciez cela? C'est un grand moment. Pour moi, c'est la première fois aux États-Unis en tant que citoyenne. Voilà, je vais voter. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire? C'est un grand moment, c'est vrai. C'est une élection particulière. Voilà, il faut faire un choix. Voilà. Donc, il faut faire un choix. Les électeurs américains le feront. Et à la fin de cette journée, de ce 8 novembre, nous saurons exactement qui est président ou qui sera président des États-Unis. Vous restez sur VOA Afrique. Nous continuerons de vous donner des informations et d'avoir pour vous des invités qui répondront à certaines de vos préoccupations. Merci et suivez-nous sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com.